Bonjour, je m'appelle Ibrahim Sek. Je suis étudiant à l'Institut d'odontologie de Dakar. Je suis le président aussi de la 46e promotion, c'est-à-dire la promotion sortante d'odontologie 2019. J'ai à ma droite Monsieur le président de l'Association des étudiants chirurgiens dentistes du Sénégal, Thierry Lonceau. Ok, donc revenir sur les activités que vous menez ici au niveau de votre faculté concernant la journée pico-dentaire. D'accord. Bon, aujourd'hui, coïncide avec le 20 mars qui est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Donc aujourd'hui, la 46e promotion sortante décide de participer à la politique de promouvoir la santé bucco-dentaire. C'est en ce siège qu'on a pu organiser une journée de sensibilisation pour la population, mais aussi au sein de notre faculté en premier lieu. On a aussi déployé une équipe, deux équipes qui sont dans les écoles environnantes. Il y a une école 6 à Sacré-Cœur et une autre à Point-E. Donc on a déployé une équipe pour une sensibilisation et une consultation gratuite au sein de ces écoles-là. Faire profiter aux enfants l'importance de la cavité buccale et l'importance de prendre en charge dès le bas âge sa cavité buccale. Parce que les dents, en quelque sorte, les dents ce sont des organes qui vont accompagner la personne, je peux dire, à partir de 6 ans jusqu'à sa mort. Donc il faudrait mieux bien la préserver par une prévention primaire pour ne pas les perdre en cours de vie. Donc la 46e promotion sortante de l'odontologie a organisé la matinée de son 20 mars comme suit. Donc le soir, on aura une activité scientifique qui sera accentuée sur un enseignement post-universitaire avec comme thème la santé, la relation entre les pathologies bucco-dentaires et l'état général. D'accord, voilà. Merci.